Salam alaykoum, chers frères, je vous salue, je vous dis salam alaykoum, salam ala maître Badr wa ala Ali Baiti, salam ala Cheikh Tanako, salam ala Imam Baro, salam ala Imam Konati, salam ala Nicolas Fanessa, salam ala Dr. Konati, salam ala Sisko de Messi, salam ala Samokatrami, salam ala Asiko Salah, je vous salue, vous tous, je vous dis salam alaykoum wa ala Ali Baitikoum. Voilà, ça c'est une grande chef que notre grand maître nous a donné. Voilà, pour avoir tout ce que tu veux. Voilà, dans soit le Yassine ou le Coran al-Hakim, en mélangeant avec soit le Rahman. Voilà, la manière dont on va la faire. Bon, vous allez écrire soit Yassine ou le Coran al-Hakim, le mime de Hakim là. Vous allez ouvrir ça. Voilà, et vous allez écrire là-bas Ar-Rahman. Voilà, Ar-Rahman. Dans le mime de Rahman là, voilà, on va écrire dedans Ya Hakim 78 fois. Vous allez fermer. Voilà, après vous allez écrire le reste de Sourate Rahman. Allah al-Quran haral insan dans le mime de Hakim là. Le Hakim qui est dans le Sourate Yasin, vous allez grandir ça là. Voilà, on va grandir ça là. Voilà. Voilà, quand on grandit ça là, le Sourate Rahman, quand on décrit Allah Rahman, on grandit un peu le mime de Rahman. On va mettre, on va écrire dedans, Ya Hakim, bon, 78 fois. Voilà, après on ferme le mime de Rahman, on continue. Voilà, on continue ça, Allah al-Quran, halal insan, Allah al-Biyan, jusqu'à la fin de ce sourate là. Après on écrit dedans aussi le reste de Sourate Yasin. Après, on ferme le grand mime. Quand on fait ça, on garde ça dans celui-là, Inch'Allah. On boit et on se lave. Voilà. Alors, on va faire ça, on boit et on se lave. Voilà, dans la nuit, on va faire le riada. Voilà, quand tu commences, le jour où on va commencer, la nuit, on va faire le riada. Voilà, le riada, quand on le fait, voilà, après chaque prière quotidienne, vous allez écrire Ya Hakim, 78 fois. Dans la nuit, on va écrire Ya Hakim, 6084 fois. Inch'Allah, on fait ça pendant 4 jours. Quand on finit ça, c'est fini, Alhamdulillah. Mais dans les 4 jours, peut-être, on va voir les sacrifices qu'on doit faire. Ou bien, quand on voit un rêve, on va renseigner notre grand maître Badr Ali. Il va nous dire comment faire. Voilà, quand on fait ça, Inch'Allah. Bon, si on a besoin d'argent, qu'est-ce qu'on va faire? On va chercher de la pierre. Il y a des grandes pierres qui sont taillées, comme l'ardoise. On va chercher ça, on va écrire dedans. Ya Hakim, le Khawatim de Ya Hakim. Quand on écrit le Khawatim de Ya Hakim, on va écrire au milieu ici. Notre vœu, si c'est à propos de l'argent. Voilà, vous allez faire comme ça là. Inch'Allah. Quand on fait ça, bon... Après, on va écrire sur le papier encore Yassin al-Huran al-Hakim. On ouvre le mime de Hakim. On écrit dedans Ar-Rahman. On met dedans là-bas. On écrit dans ce Rahman, dans ce mime-là. Ya Hakim, 78 fois. Après, on ferme.